On se laisse vivre. Ouais, t'as raison. Je me suis réveillée assez tôt aujourd'hui. Enfin, tôt. J'ai encore mis mon réveil et je me suis encore réveillée deux fois tard, mais c'est pas grave. C'est bien, genre d'habitude je dors super tard et je me suis dit vas-y. Même si j'ai pas de montage à faire parce que j'ai tout fait hier, je me suis quand même levée tôt et ça c'est cool. Je viens de me prendre un petit café et vous savez que j'aime accompagner mon café d'un chocolat. Donc on va ouvrir le cadre et de l'arbre au chocolat. Une petite luge, c'est trop mignon. Les deux premières miniatures, je suis dans mon lit, il faut que ça change. En vrai, je me plains que je vais travailler aujourd'hui, mais je travaille que 4 heures. Ça va pas. Tranquille. Je vais remplir mon petit carnet, puis on ouvrira le carnet de l'avant. Le 3, il est assez gros. C'est quoi la plus grosse case? Ah bah c'est le 24. Le 24, il est énorme, il est gigantesque. Vas-y, Zdas. Mais purée, il y a encore des trucs qui tombent, ça me fait chier. Je vais devoir démantibuler. Je pense que c'est un gant de gommage pour se gommer la peau. C'est un truc que j'ai jamais utilisé, je crois. Mais écoutez, c'est bien en vrai. Je suis jamais déçue de ces petits calendriers de l'avant, alors que c'est vraiment les moins chers du marché, je crois. Alors maintenant, la chose dont je vous parlais, les amis, c'est que normalement, au 1er décembre, j'annonce le thème du nouvel an à mes copains, ceux qui viennent fêter le nouvel an le dernier jour. Sauf que je l'ai pas encore fait. Le thème du nouvel an, et je pense que vous auriez pu de ouf le deviner via... Déjà, étonnant que j'ai pas fait ça dès le début. Mais aussi, je pense que vous auriez pu le deviner grâce à l'intro des Vlogmas. Cette année, le thème, les amis, ça va vous surprendre, je sais. C'est le bleu. Du coup, je vais faire... Vite fait un petit truc pour annoncer le thème et je vais l'envoyer aux copains. J'ai annoncé le thème de cette année avec une magnifique image. J'ai fait très vite fait, on va pas se mentir. Faut que je fasse imprimer les cartes du nouvel an, puisque chaque année je fais une carte du nouvel an. Je sais pas si j'en ai une ici à portée de moi, je pense pas, elles sont dans mes petites boîtes à souvenirs. Il faut, les amis, qu'on emballe le cadeau de Héloïse du coup. J'ai peur qu'elle voit le vlog. Non, elle saura pas le voir, elle l'aura quand je lui donnerai, elle l'aura. Enfin, quand le vlog sortira, elle l'aura. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça peut-être aujourd'hui. J'ai Léa pour décorer. Il est 12h40, si je veux avoir le temps d'aller chercher de quoi faire. Enfin, que je parte dans une heure. Mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de partir aussitôt parce que je vais être trop tôt, mais en même temps, j'ai peur de partir. Les gars, j'ai toujours rien mangé. Il est 13h15. Travaille ce soir, donc ça va, j'ai le temps. J'ai pas forcément de pause au travail quand je travaille si peu, du coup bah faut que je mange parce que sinon je mangerai pas avant 22h et je vais faire un infarctus je crois, donc j'ai pas quoi manger en fait, c'est ça le souci. Vous voulez savoir ce que c'est mon repas de la flemme? Mon repas de la flemme, les amis, ce sont des pâtes blanches avec juste un peu de noix de muscade dessus, un tout petit peu de beurre pour que ce soit quand même un peu hydraté et du fromage. Est-ce que j'ai des coquillettes? C'est réglé, je vais manger des coquillettes. C'est vraiment un repas. Mais je sais pas, c'est un plat qui me réconforte, genre il me fait du bien ce plat. Regardez ce que je vous disais, ici j'ai la carte de la première saison des Vlogmas, le nouvel an. Et la DA n'a rien à voir avec la DA des génériques de l'époque. Mais bon, elle est cute et du coup il y a la dorure juste ici. Voilà, et l'autre dorure, le texte derrière est doré aussi. Argenture du coup, parce que c'est argenté. Ça se dit? Je sais pas. Le deuxième, je l'ai pas ici, mais la photo, c'est le générique des Vlogmas finalement. Et ici, c'est la même chose. Donc on en aura une de plus à ajouter à la collecte. Quand je vous dis que j'espère que l'année 2025 va être mieux que 2024, c'est pas que 2024 a été nul. Genre, j'ai fait plein de trucs incroyables, mais genre, c'est psychologiquement... Je tombais dans un gouffre, là. Mais je pense que ça va aller après. Mais voilà. Mon chécha, tu vas dire bonjour. Toi aussi mon chécha? C'est le chécha de Noël. Bah oui, mais mon chécha, tu veux pas que je te prenne dans mes bras? Quand je prends Gégette, tu veux venir. Oh, regardez. Oh non! Non! Il vous a dit mignon quand vous jouiez. Pas
comment vous faites ça. Vous jouiez. Je jouiais. Attention, mes pâtes là. Je déteste attendre que l'eau des pâtes chauffe parce que je suis tellement impatiente de manger mes pâtes. J'ai envie d'aller de poule. Pourquoi t'as pas mangé mon chéchère? Pourquoi il y a des croquettes là? C'est qui n'a pas mangé? Oh, oh, on renifle, une bonne croquette. Oh non, on vient faire des câlins. Je sais même pas si vous connaissez son vrai nom parce que c'est tout le temps Gigette qu'on l'appelle. Mais elle s'appelle Widget. Ça va ma Widget? On n'a pas choisi son prénom en fait. On va dire recueilli. Et du coup, bah, elle avait déjà ce prénom là donc on l'a pas changé. Mais on n'aurait pas choisi Widget comme prénom. C'est un peu étrange. Hey Gigette, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Après, vous allez me dire Simba. Pas très original non plus. Ah mon chéja. Au moins, elle est originale. Widget. Je suis arrivée au travail, j'ai déposé mon billet et là on va aller chez Atsu. Faut que je résiste à pas acheter des pelotes et que j'achète que ce dont j'ai besoin. Et j'ai dit que je ramènerais peut-être des petits bonbons à mes collègues au taf pour qu'on verra si je suis d'humeur ou pas. Les amis, mission réussie, j'ai pris des petits bonbons de Noël pour mes collègues. J'ai aussi pris un sachet, enfin pas un sachet, un arbre de Noël de thé pour Héloïse en bonus puisque je sais qu'elle adore le thé. Je vais mettre ça sur une jolie assiette et je vais les mettre ça au taf. Enfin, moi je les fais maison alors que pas du tout, mais ils sont mignons, regardez, ils sont cool. Est-ce que ça a l'air fait maison? Je ne crois pas, mais on va dire que c'est moi qui les ai fait maison. C'est beau, ouais. Bon. Personne n'a cru à la supercherie. Ils étaient tout heureux de quand je leur ai dit que j'avais fait des cookies. Et quand ils ont vu à quoi ils ressemblaient. J'aurais pu en faire des comme ça, je tiens à le dire, j'aurais pu. Mais je n'ai pas fait. En fait, c'est pas si difficile. Hein. C'est juste que là, c'était très régulier, donc ça voyait que c'était industriel même. En soi. Bref, je vais boire le café que je viens de me faire. Je vais aller travailler. On se laisse vivre. Ah ouais, t'as raison. Je suis rentrée les amis. Je suis toujours emmitouflée dans mes couches. Je vais vite aller me laver et me laver les cheveux. Je sais pas si je lave mes cheveux ou pas en fait. Je suis en pleine hésitation sur ce que je fais. Parce qu'en soi ils ont rien. Non, je vais pas les laver, je vais pas habiller, je les lisserai juste demain. J'ai tellement l'impression d'avoir mille choses à faire. Je vais aller prendre une douche pour que ça se soit fait. Et après on fera étape par étape tout ce qu'il faut encore faire quoi. Ok, première étape, on décore vite fait le cadeau de Hello. J'ai pris des bobines comme ça, deux vertes, une rouge. Et je vais simplement accrocher autour. C'est mignon, non? Ça fait tout fait main. Ça filme encore. Ça fait une demi-heure que ça filme et que j'ai totalement oublié. J'ai de ouf fait ma vie. Je sais pas à quel moment j'ai décroché du vlog, mais vous êtes tout seul depuis ça fait 40 minutes que ça filme. Jeez. Je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai préparé mon sac, ma trousse est faite. Je viens de rien rajouter dedans, à part mon ordi. Je vais le mettre maintenant d'ailleurs. Mon ordi, il faut le mettre à tour. Je vais charger mon Apple Watch. J'ai une vitre que j'ai jamais mise, il serait peut-être temps de mettre. Ça va faire 2 ans que j'ai ma montre, ça fait 2 ans que le truc est dans sa boîte. Je pense que je vais vous laisser fatiguée, j'ai l'impression que j'arrive plus à parler. J'espère que le vlog vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon allez les copains, je vais vous laisser, je vous le dis pas une fois de plus. On se lève tôt en plus demain, donc il vaut mieux que j'aille vite faire le montage. Bon allez, je vous fais de gros bisous, j'ai très très hâte d'être demain, ça va être trop trop chouette. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, et merry vlogmas. Bisous.